En préparant cette intervention et en discutant avec tous ceux qui ont préparé cette rencontre, je me suis rendu compte que, un peu comme M. Jourdain, j'avais pendant 20 ans fait de l'entreprise apprenante sans le savoir. Ces deux entreprises dont j'ai été le dirigeant, c'est d'une part la RATP, je pense que tous ceux qui sont français ou européens connaissent, même les autres, qui est l'entreprise en charge des transports publics en Paris et Île-de-France. C'est une entreprise qui a un peu plus de 40 000 salariés et qui avait des défis considérables. Il y avait un premier défi qui était de réduire la conflictualité et un deuxième défi qui était de poursuivre l'innovation. Et puis pendant 11 ans, j'ai été patron de la Poste française qui avait 300 000 salariés, qui en a aujourd'hui beaucoup moins, plutôt sans doute de l'ordre de 230 000, et qui avait d'énormes défis. Un défi de modernisation et de qualité de service, un défi de développer des nouveaux leviers de croissance face à la décroissance des volumes du courrier traditionnel et à la montée du monde digital et d'Internet, et enfin de recouvrer une santé économique de manière à pouvoir à la fois poursuivre cette modernisation et avoir la politique de développement nécessaire pour justement développer les leviers que j'évoquais tout à l'heure, parmi lesquels le fait de devenir le leader européen du colis et de l'express, le fait de créer une banque qui s'est avérée aujourd'hui être la troisième banque française de détail, de développer une activité de téléphonie mobile avec aujourd'hui 1 million d'abonnés et de devenir un acteur important dans le domaine du numérique. C'est donc des défis extrêmement lourds, et qui nécessitaient un changement, une adaptation très importante de ces deux entreprises. Et donc ce que je vais vous dire en quelques minutes, c'est ce que je crois être la bonne manière, j'allais dire peut-être la seule, manière pour conduire le changement dans les grandes entreprises, dans les entreprises de manière générale. Il faut préciser que ces entreprises, même s'ils sont des entreprises publiques, qui est une spécificité en grande partie française, ce sont des entreprises à part entière. Elles ont exactement les mêmes règles que toutes les entreprises en matière de gouvernance, en matière d'exigence de résultats, en matière de conduite des investissements, en matière de ratios financiers, en matière de capacité d'emprunt, en matière de dividendes, de taxes, etc. Exactement les caractéristiques de toute entreprise. Comment conduire cette transformation ? Le premier point, et ça rejaillira évidemment sur ce que vous avez déjà vu autour de l'idée d'une vision long terme partagée, le premier point absolument essentiel et vital, c'est le fait de définir une vision, une ambition, un projet qui soit partagé. Et c'est essentiel parce que pour conduire un changement, les gens ont besoin de savoir ce qu'est l'entreprise, sa vraie nature. Ils ont besoin de savoir où on va et pourquoi on y va. Ils ont besoin de savoir comment on va y aller. Et ils ont besoin de savoir, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que ça va changer pour moi. C'est cette nécessité de conduire un projet partagé, c'est essentiel parce que, au fond, la règle d'or, c'est d'aligner toutes les énergies pour mieux libérer l'initiative et l'innovation. Et pour aligner les énergies, on a évidemment besoin d'un projet partagé. Ce projet partagé, mon expérience est qu'il faut essayer de l'élaborer de manière la plus ouverte et la plus concertée possible. Si je donne l'exemple de la conduite du projet pour la Poste, il s'est appuyé sur l'écoute et la participation à la réflexion stratégique de 150 000 salariés, sur une participation de toute la ligne d'environnement, sur un travail avec les organisations syndicales, sur la participation de tous les élus locaux les plus directement impliqués dans la Poste. On a fait un travail de concertation et de construction stratégique avec 1 000 élus. Et
Évidemment, la dernière partie prenante qui est tout à fait importante, ce sont les citoyens. Et on a d'ailleurs fait à cette occasion-là une conférence de consensus sur l'avenir et les enjeux de la Poste au travers d'une conférence citoyenne, une conférence de consensus, comme il en existe peu en France, mais il en existe pas mal en Europe du Nord, notamment. Et cette élaboration concertée, il ne suffit pas qu'elle soit concertée, il faut ensuite qu'il y ait une formidable pédagogie autour, une pédagogie permanente, une pédagogie qui mette en œuvre le rôle de l'encadrement à l'occasion des événements de la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse d'événements internes ou d'événements externes. C'est-à-dire que la réflexion stratégique, le projet, ce n'est pas un beau livre dont on parle une fois et qu'on met dans un tiroir, c'est un processus permanent qui anime la vie, la réflexion, les projets, les enjeux, les problèmes de l'entreprise qui ne vont pas manquer de se présenter tout au long de ces plans stratégiques. Et à partir de là, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est au cœur de vos convictions aussi, c'est que l'entreprise n'est pas qu'un acteur économique. L'entreprise est un acteur majeur de tout son écosystème. Et pas un accord économique, ça veut dire que je propose qu'on essaye de reformuler ce qu'est la raison d'être, la vocation, la mission de l'entreprise, qui est à mes yeux ce que j'appellerais un acteur, un contributeur du développement responsable de la société. Dans développement responsable, il y a toutes les dimensions du développement des différentes parties prenantes. Il y a d'abord le développement économique, ce qui veut dire la recherche évidemment de la qualité de service et de la productivité, ce qui veut dire la recherche de la croissance, de l'innovation, de l'investissement, du développement, politique d'achat, responsable auprès des PME, une forte contribution, en ce qui concerne toutes les entreprises, par les taxes en particulier, dans le cas de la Poste, en plus par les dividendes à son actionnaire qui est l'État et la Caisse des dépôts, une forte contribution à la richesse des actionnaires, par, je dirais, quand on prend l'exemple de la Poste, le bilan des échanges financiers entre la Poste et l'État est, je dirais, en faveur de l'État, de l'ordre d'un demi-milliard par an. Donc on est un vrai acteur de la contribution à la richesse et au développement du pays, mais aussi avec tous les enjeux très importants de solidité financière et qui assurent la pérennité de l'entreprise et au fond l'exigence d'une bonne santé économique. Je ne dis pas l'exigence d'une surperformance tous les ans, mais l'exigence d'une bonne santé économique qui veut dire qu'avec, de manière extrêmement simple, comme un ménage, à la fin de l'année, avec tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on est obligé de dépenser, que ce soit les taxes, que ce soit les intérêts, que ce soit les programmes d'investissement, etc., à la fin de l'année, on a au moins autant d'argent dans les caisses qu'au début de l'année. Et donc on peut faire son développement régulier, sauf les fréquentes acquisitions, sans se surendetter. Cette vision de la bonne santé économique est, à mon avis, absolument centrale pour cet enjeu du développement économique dans une entreprise qui essaie de promouvoir le développement responsable. Le deuxième type de développement responsable, c'est le développement des territoires. Chaque entreprise est dans un territoire. C'est l'accessibilité aux services, notamment s'il s'agit des services publics. C'est le travail pour développer l'emploi local. C'est l'animation et le dynamisme du tissu industriel local et des PME. C'est le dynamisme économique des territoires. C'est être un acteur aussi de la cohésion sociale de ce territoire et de l'égalité des chances, car tant il est vrai qu'une entreprise ne peut se développer que dans un territoire qui lui-même a une bonne cohésion sociale et un vrai dynamisme économique. Et enfin, la dernière dimension de ce développement responsable de la société, c'est le développement des salariés. Le développement des salariés qui démarre par le bien-être au travail, ça porte sur les problèmes de compétences, d'avoir toutes les compétences pour bien faire son travail, les problèmes d'organisation, les problèmes de cadre et de conditions de travail, mais aussi l'égalité des chances, avec la mixité et la diversité, avec la promotion et l'ascenseur social. Les entreprises comme la Poste et la RATP sont encore de très puissants ascenseurs sociaux. Et puis, bien sûr, c'est au cœur de vos réflexions aussi d'être un acteur qui aide pour être à la fois écouté, mais de participer aux orientations et aux un certain nombre de décisions et de projets, et enfin de partager les fruits de
la croissance et du résultat économique. Finalement, je veux dire, ça c'est peut-être le point central de ce que j'ai envie de vous dire et de ce que j'ai appris, c'est qu'une entreprise n'existe qu'au regard de ses parties prenantes. Et de toutes ses parties prenantes. Elle assure sa pérennité et son développement qu'au travers d'un développement équilibré et équitable de toutes ses parties prenantes. Et ça, c'est vrai pas seulement au niveau, au sommet de l'entreprise, c'est vrai à tous les niveaux de l'entreprise, c'est vrai pour tous les projets de l'entreprise, dans lesquels il faut être en permanence attentif à la prise en considération équilibrée et équitable de toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, ça veut dire les clients. Les clients, l'équilibre, c'est que face à un vrai service ou un produit avec une bonne qualité prix, en échange, on a leur fidélité. C'est vrai avec le personnel, en échange de la qualité de vie au travail et leur engagement. C'est vrai avec les élus des territoires, en échange de l'écoute et de la prise en considération de leurs enjeux et on a leur soutien. C'est vrai de l'écosystème, des PME, où en échange d'une relation partenariale, on a leur performance et leur contribution. C'est vrai des actionnaires, ou en contrepartie du respect des engagements de leur confiance. Et c'est fait des citoyens, où en étant une entreprise responsable, on a leur soutien et ils participent à la qualité de notre image. Donc, cette vision, je crois, est le fondement de l'entreprise apprenante. Et c'est cette vision-là de l'entreprise qui lui donne à l'entreprise apprenante sa force et sa légitimité. Elle se complète, cette vision, de deux autres dimensions. Deux autres dimensions qui sont, d'une part, une organisation et une philosophie du management décentralisée, responsabilisante et fondée sur la confiance. À La Poste, par exemple, ça s'est illustré par une organisation qui a été totalement transformée par grande activité, avec une très large autonomie, avec seulement trois niveaux de gestion, le niveau national, le niveau territorial et le niveau de l'établissement, avec une priorité aux opérationnels en faisant tout pour que les opérationnels puissent dégager et consacrer leur temps fondamentalement aux trois choses importantes que sont le client, le salarié et la bonne santé économique, c'est-à-dire des fonctionnels qui s'occupent du reste de la logistique et qui sont dans un rôle strictement de fonctionnel, à savoir l'orientation, le soutien, le conseil et le suivi. Et enfin, une philosophie de management qui est fondée sur la confiance, qu'on appelait les 3S, qui revient exactement à ce que je viens de dire à tous les niveaux de l'entreprise. La philosophie de management, c'est que pour la conduite d'un projet, un, il faut donner le sens, c'est le premier S. Deux, il faut faire le soutien, c'est les conditions de la réussite de tous les collaborateurs. Et trois, il faut faire le suivi, parce que comme c'est une politique fondée sur la confiance, il faut être exigeant en termes de résultats. Et le deuxième point, c'est le dialogue. C'est le dialogue permanent avec toutes les parties prenantes, avec à tous les niveaux de l'entreprise aussi. Ce n'est pas juste le dialogue entre les grands chefs, c'est le dialogue avec tous les niveaux de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'interne, avec les territoires et les établissements, ou de l'externe, avec le niveau de l'État, des départements et des communes. C'est vrai avec les organisations syndicales, c'est vrai avec les salariés, avec un rôle fondamental de l'établissement et de l'encadrement, qui joue véritablement un rôle de colonne vertébrale. C'est vrai du travail avec les élus nationaux et locaux, avec qui le dialogue permanent construit la confiance. Le dialogue, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste quand ça va mal, ou quand on a un projet, ou quelque chose à demander ou à vendre. Le dialogue, c'est quelque chose qui est permanent et qui fait partie du cœur de la conduite du changement. Et vous voyez, sans cette méthode, jamais on aurait réussi les très grands défis dont je vous parlais tout à l'heure. Jamais à La Poste, on aurait réussi la double métamorphose des bureaux de poste. La double métamorphose des bureaux de poste, que ce soit, je dirais, en interne, vous avez vu comment les bureaux de poste, pour ceux qui connaissent le pays, ont connu une vraie métamorphose. Et cette métamorphose, Xavier Guérin et moi, on vous en parlera demain, mais elle s'est faite fondamentalement sur la construction et l'expérimentation, la co-construction avec les salariés, avec les clients, avec les responsables de La Poste, en mettant en avant la relation de service et la relation de confiance. Mais elle s'est faite aussi par la transformation du réseau, où plus de 7500 points qui étaient des points de poste ne sont plus tenus par des postiers et sont devenus des points
de postaux partenariaux tenus soit par des agents municipaux, soit par des commerçants. Et tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas conduit la transformation avec les règles dont je viens de vous parler. Ça n'aurait pas été possible non plus de conduire le re-engineering du courrier qui a permis de passer de 120 centres de tri à quelques dizaines de plateformes régionales et qui a sans doute été le plus grand projet de réindustrialisation de la décennie 2000-2010 avec un investissement supérieur à 3,4 milliards d'euros. Ça n'aurait pas été possible de créer la banque postale face à l'opposition des banquiers si on n'avait pas su construire dans le temps le soutien de tous les élus locaux. Ça n'aurait pas été possible de changer le statut pour avoir une augmentation de capital pourtant vitale si on n'avait pas su, dans la durée, construire la confiance des Français avec des enquêtes qui montrent à quel point la Poste est l'entreprise dans laquelle les Français ont le plus confiance. Et si nous n'avions pas, tout au long, avec beaucoup d'anticipation, construit sur ce sujet-là les enjeux et la compréhension des postiers et des élus locaux. C'est des années d'explications et des années de dialogue sur les enjeux. À la RATP, jamais on n'aurait pu faire l'alarme sociale si on n'avait pas partagé les enjeux et la vision long terme avec les organisations syndicales. Jamais on n'aurait pu mettre en œuvre la première ligne automatique sans conducteur au cœur de Paris, dans une entreprise extrêmement syndicalisée, sans aucun conflit social, uniquement grâce à la qualité du dialogue et à l'anticipation. Figurez-vous que tous les accords sociaux étaient tous bouclés, tous signés, un an avant la mise en service. En conclusion, je voudrais vous dire que je crois que conduire le changement, c'est vraiment vital pour notre société. C'est une loi de la vie, le changement. Edgar Morin disait au début des années 70, tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Et cette formule-là, c'est lui qui l'a rendue célèbre d'une certaine manière, mais elle est déjà fondamentalement inscrite dans toute la philosophie chinoise de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ne perdez pas jamais de vue que le changement est le fondement du monde chinois. Et qu'on a sans doute beaucoup, beaucoup à apprendre et à réfléchir et à se dire, finalement, tout ce qui ne se régénère pas dégénère, ce qui veut dire que toutes les formes de statu quo, toutes les formes d'immobilisme, toutes les formes de défense d'acquis, quelles qu'elles soient, sont des formes qui conduisent à l'immobilisme de la société et qui finissent par conduire à une forme de dégénérescence de cette société. Et pour terminer, en plus de tout ce que je viens de vous dire, je voudrais vous dire qu'il y a une dimension qui me paraît essentielle, qu'on néglige très très souvent dans la gestion des entreprises, c'est la notion du temps. Vous voyez, il faut se donner le temps de la préparation et de l'anticipation. Pour ça, il faut avoir la vision à long terme, voir les choses qu'on va vouloir mettre en place et préparer le terrain pendant des mois et des années. Pour que les enjeux soient compris et qu'il y ait une vraie compréhension des actions qu'il faut conduire. Il faut du temps pour partager la vision, il faut du temps pour construire les adhésions, il faut du temps pour mener les expérimentations qui font partie de ce système d'apprentissage. Et puis il y a le temps de la négociation, très en amont. Il y a le temps de la décision et le temps de la mise en œuvre. Et là, les erreurs qui sont faites sont absolument incroyables. Les gens ne réfléchissent jamais assez en disant, dans la gestion de ce temps, qu'est-ce qui est important? Il y a la chronologie, l'ordre dans lequel on fait les choses. C'est la chronologie qui donne du sens à un projet global. C'est la chronologie qui donne du sens à un projet. Une bonne chronologie est juste fondamentale. Derrière, il y a la vitesse ou la lenteur. Décider à chaque fois, selon les circonstances, de manière consciente, s'il faut aller vite ou s'il faut aller lentement. Vous avez tous les cas de figure. De temps en temps, il faut faire une blitz décision. De temps en temps, il faut faire quelque chose de très progressif. Il faut être conscient de cet aspect vital de la gestion du temps. Il y a le moment, qui n'est pas la même chose que la chronologie. La chronologie, c'est le moment. Le moment, c'est... Parfois on dit c'est le moment, parfois on dit c'est pas le moment.
Et vous vivez tout ça dans vos vies personnelles. Il y a des choses, des décisions, des moments. On peut, voilà, il faut savoir choisir ça. Ni trop tôt, ni trop tard. Et en France, souvent les décisions se limitent à qu'est-ce que la décision, le quoi de la décision. Le quand, le comment, le pourquoi sont des éléments au moins aussi importants de la décision que le quoi. Une bonne décision, entre guillemets, qui arrive trop tard, c'est juste pas une bonne décision, même si elle a été parfaite dans son contenu. Et enfin, vous avez le rythme. Le rythme, c'est la vitesse à laquelle s'enclenchent les différentes étapes de la transformation. Ce rythme est absolument vital, et c'est la chose la plus difficile que de choisir le bon rythme. Trop lentement, les choses s'endorment. Trop vite, c'est trop difficile pour le corps social. Bien intégrer, bien comprendre ces enjeux de temps en considérant l'entreprise comme un corps vivant, c'est absolument essentiel. Dire nous-mêmes, dire par notre, sur notre propre vie, hein, on intègre ces éléments de temps. Mais ils sont très très rarement intégrés dans la conduite du changement des entreprises en tant que telle, en tant qu'une discipline à part entière de la, du savoir décider et du savoir changer. Voilà, j'ai fini. Vous avez compris que finalement, les points fondamentaux, c'est anticiper la vision long terme, parce que ça permet de fédérer les énergies. C'est la prise en compte de toutes les parties prenantes, parce que c'est ça qui crée finalement la confiance. C'est le fait d'avoir une organisation qui permet de libérer l'innovation et l'initiative par la participation et la co-construction. Et c'est enfin la bonne gestion du temps. Voilà, je vous remercie.